Cahiers, sacs, stylos et autres outils nécessaires aux élèves de la première à la cinquième année ont été distribués ici. Pour les organisateurs de cette remise de kits scolaires, cette initiative est le prolongement de l'action du gouvernement gabonais de la transition en matière d'éducation. Alors cette année, ce don s'est orienté plus aux enfants du primaire, donc de la première année à la cinquième année. Cet acte donc, rentre évidemment dans l'action d'aider ces familles démunies au niveau du siège de l'arrondissement. Pour les bénéficiaires et leurs parents, c'est un grand soulagement. Je peux aider ma famille parce que ça leur apporte moins de charges pour mes fournitures scolaires. Bien évidemment, nous alléger les charges qu'on a. Vous voyez dans quel état je suis. Je n'ai pas assez de moyens. Vraiment, j'ai dit bravo à M. Chambrier pour ce geste vraiment louable. Que Dieu lui protège. Vraiment, je lui remercie. Je lui remercie beaucoup. Pour garantir une rentrée des classes aisée, le gouvernement gabonais de la transition a confirmé le maintien de la gratuité des frais d'inscription dans les établissements publics et confessionnels, ainsi que celle des manuels scolaires du pré-primaire et primaire de l'année en cours.